Olivier Goetz, vous êtes romancier ou vous êtes historien ? Je ne suis pas historien, je suis donc probablement romancier. Si c'est les deux choix possibles, je travaille sur l'histoire, mais je ne suis pas historien. Je crois qu'il faut arrêter cette idée que le romancier ne peut écrire que de la pure fiction. Je pense qu'aujourd'hui, les frontières ont éclaté et qu'on peut écrire de grands romans de non-fiction. Parce que là, je suis distrait par François-Henri Désérable. François-Henri Désérable, vous êtes un peu le prodige du roman français. J'ai l'impression que vous maîtrisez parfaitement votre Pierre Michon, votre Jean Echenoz. Est-ce que vous êtes finalement le Kylian Mbappé du roman français ? En beaucoup moins riche. J'aime beaucoup Jean Echenoz, j'aime beaucoup Jean-Philippe Toussaint, j'aime beaucoup Éric Chevillard. Un des meilleurs romans que j'ai lu cette année, c'est Article 353 du Code pénal de Tanguy Viel, qui est aussi un auteur minuit. Donc oui, Echenoz fait partie de ces écrivains qui m'ont, non seulement que j'aime lire, mais qui m'ont influencé mon écriture. Qu'est-ce que c'est que cette vogue du roman historique dont vous êtes finalement un des représentants ? Alors ça, j'aime pas du tout ce terme de roman historique. Qu'est-ce qu'un roman historique ? Est-ce que c'est un roman écrit par un auteur qui n'a pas vécu la période qu'il raconte ? Dans ce cas-là, ça veut dire que si moi, je raconte la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, c'est du roman historique. Si Jean d'Ormesson, qui est né en 1925, raconte la Deuxième Guerre mondiale, ça n'en est plus. Non, c'est vraiment une qualification. Pour moi, ça ne devrait même pas exister. Quoi. Il y a simplement les romans qui sont de la littérature et ceux qui n'en sont pas. Qu'est-ce qu'il y a sur votre table de chevet ? Qu'est-ce qu'il y a sur ma table de chevet ? Alors, ma table de chevet change. Ma table de chevet a récemment eu cet automne Aurélien d'Aragon et pas mal de Romain Gary qui apparemment revient dans l'air du temps. Est-ce que vous êtes l'héritier de Sempé ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de commun entre vous et lui. Merci, je suis beaucoup plus un admirateur en fait. On a eu la chance d'arriver après plein de générations de grands dessinateurs, donc je suis admirateur de Sempé, de Quentin Blake, de Fred, de Hugo Pratt, de plein d'autres gens. Vous ressemblez pas à la caricature qu'on se fait du dessinateur de bande dessinée qui est enfermé tout seul dans sa chambre, qui est timide avec les filles et qui, voilà, comment ça se fait ? D'abord, je pense que je suis très timide, mais je compense par de l'exubérance. Ensuite, je suis enfermé 8 à 10 heures par jour à dessiner chez moi, mais du coup, dès que je sors, je suis super bavard, j'ai super envie de me faire des copains, tout ça, mais il faut toujours se rappeler qu'un dessinateur, 8 heures par jour, il est seul chez lui avec son papier. Mais c'est vrai que je suis sociable. Malgré le récit que vous faites dans votre dernier livre écrit, est-ce que vous pensez que l'amour est encore possible, que le romantisme est encore possible au XXIe siècle ? Je crois que les aspirations humaines ne changent absolument pas. Les mêmes drames, les mêmes joies existent à toutes les époques. Ce qui est amusant, c'est que la technologie change. Donc on explore le présent. C'est très amusant d'être un peu un cosmonaute du présent. Mathieu Sapin, comment vous avez été embarqué dans cette aventure consistant à accompagner Gérard Depardieu ? Je l'ai suivi pendant 5 ans. C'est épuisant et c'est passionnant. Donc c'est pas un problème. Moi, je serais prêt à repartir demain. Il y a aussi une dimension aventure. Avec Gérard Depardieu, c'est quelqu'un qui est pris de liberté et qui a un côté punk, c'est-à-dire qu'il va toujours faire le contraire de ce qu'on attend de lui. Croire au merveilleux, est-ce que c'est un conseil que vous donnez à la France et au monde et à l'époque ? À la France et au monde, oui, j'ai un message à délivrer au monde. Non, croire au merveilleux, ça veut dire croyez, convoquer de temps en temps, de temps à autre, l'enfant que vous étiez. Convoquez-le devant l'adulte que vous êtes devenu et tâchez de faire en sorte que cet enfant-là vous dise « ça va, t'as à peu près gardé le cap et tu t'es pas trop trahi ». L'adulte que tu es devenu n'a pas trahi l'enfant que j'étais. Science.